L'opération d'éco-pâturage est de retour au pied de la cité de Carcassonne depuis le début du mois de mai. Le troupeau de chèvres, chevreaux et moutons géré par l'association LENA a pris possession des berges de l'Aude. Mais la ville a décidé de garder le troupeau à l'année pour traiter les 172 hectares de forêt communale qui s'étendent de la cité à la Cavaillère. Une bonne nouvelle pour la présidente de l'association. Ça va nous permettre aussi de pouvoir faire un entretien vraiment régulier et professionnel dans le long terme. Donc ça nous intéresse beaucoup, effectivement. On continue ici pendant 2 mois. Et si, c'est la bonne période. Et ensuite, pendant l'été, on se met à l'ombre. Et en septembre, on revient jusqu'au mois de mai prochain. L'idée, c'est de réintroduire les animaux en ville. Et dans une période difficile comme celle-là, ça permet aussi de créer du lien entre la nature et les habitants qui ont vécu des choses compliquées en ce moment. Donc nous, on crée du lien, on crée des rapports simples, en fait, avec des choses simples qui sont les animaux, la végétation. Et ça fonctionne très bien. Une belle idée de sortie en famille, donc vous pourrez admirer les bêtes aux abords du Pont-Vieux jusqu'à la fin du mois de juin.